rupture s'était donc opérée. Les Basong viennent et ils trouvent les Baluba. Vous avez les Bekalebwe, vous avez les Beneki, vous avez les Benemusolo, les Benekapepula, les Benensamba, etc. Et si vous quittez carrément Kabongo, vous montez, n'est-ce pas? Dès que vous entrez dans le Kasai, vous avez directement les Belandes. Et dans les Belandes, vous avez les Benensamba, les Benemusolo, jusqu'à arriver à Kabinda, vous avez les Beneki. Et si vous prolongez encore vers Lubao, vous avez directement les Bekalebwe. Donc, ça se suit. Non, et vous voyez même que le Kilube est en train de s'émousser un peu. Et petit à petit, ça devient une langue pratiquement incompréhensible. Il faut vivre cet avis. Si vous vivez ça, vous comprendrez facilement ce que Verulpen ici a pu écrire. Si le nom de Baluba était né à partir de la rencontre de Boulanda, comme certains le disent, ils disent non, non, c'est lorsque Boulanda s'est rencontré avec un Congolo Mambasa, avec Kalala Ilunga, avec Akenda Mbidikilou, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Bidikilou a été appelé Mouloub parce qu'il était étranger. Ce sont des choses qui ne marchent pas. Ce sont des supputations. Par exemple, Poilazar dit, pour Poilazar, c'est à cet événement-là de la rencontre entre l'égaré ou le Moulouba et Bidikilou que à ce moment-là, le nom de Balouba est né. Il y a encore d'autres qui parlent de l'arrivée de Ah, mon Dieu, c'est terrible. Si Mbidikilou était le géniteur du mot Kilouba, on comprendrait difficilement le fait que le peuple sur lequel régnait Kongolo Mwamba, avant qu'il ne soit en contact avec Mbidikala et Kakenda Mbidikilou, il était Moulopo et Debalouba. Il était Moulopo et Debalouba avant la rencontre avec Mbidikilou. Comment est-ce que le nom Moulouba est venu avec Mbidikilou? Ce sont des choses incompréhensibles. Et lui-même, Kongolo Mwamba, il était empereur des Balouba, qui n'a pas engendré, non, il les a rassemblés. Les Balouba sont antérieurs, et à Kongolo Mwamba, et à Kalala Ilunga, et à son père, Kakenda Mbidikilou. Ce n'est pas difficile à comprendre. Bidikilou était venu rencontrer un Kongolo Mwamba déjà.